Ça, je le lirai plus tard. Alors, une question de Mélanie. Encore, il y a peu, j'ai pris conscience que j'étais stressée quand je pensais à quoi j'allais manger, en cuisine et en mangeant. Donc, j'ai beau manger très sainement, avec le stress, le corps ne digère pas les nutriments. Vu que je le sais maintenant, je change ce rapport en étant plus calme. Mais peux-tu m'expliquer pourquoi j'ai autant stressé pendant très longtemps avec la cuisine et la nourriture? Alors, qu'est-ce que ça résonne pour toi? T'as peur des conséquences de tes actions? T'as peur des conséquences de tes choix dans la vie? T'as peur des conséquences tout court? Et t'as peur du que si tu bat ta petite tête de papillon, il t'arrive un séisme quelque part. Pour toi, ça veut dire que tu es responsable de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Et bizarrement, tu transposes ce système sur la nourriture. Donc ce système se met en forme à travers la nourriture parce que c'est la meilleure manière pour toi de te rendre compte que tu as peur des conséquences. Et de te rendre compte que tu peux pas contrôler. Ouais, perfectionnisme, ça résonne très bien. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, contrôle, stress sous contrôle. Perfectionnisme. Faut toujours une limite à la jouissance. Tu peux pas te permettre de trop en demander. Tu peux pas te permettre de tout assimiler. Donc, ça te met en face aussi de tes limites à trouver ton bien-être. Tes limites à trouver ta jouissance. Mais je retombe sur la phrase, tu limites ta jouissance. Pour toi, ta jouissance, ton plaisir, ce qui te fait du bien, a une durée limitée et est limitée en soi, par nature. Voilà ta condition.